Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et comme tous les ans, je me paie un petit voyage au bord de la mer. Le goût du poisson grillé accompagné d'un petit verre de vin blanc face aux grandes plages désertes du Nord. Mince, revoilà la folle de la maison de retraite. Elle est venue me chercher ce matin. Maman, qu'elle m'appelle cette pécasse. Elle va vous accompagner au bord de la mer. Ne vous inquiétez pas, Madame Jacqueline, qu'ils m'ont dit à la maison de retraite. N'empêche qu'elle est drôlement angoissante, cette bonne femme avec ses yeux de merlan frit. Je peux prendre le train toute seule, je ne suis plus une gamine tout de même. Puis j'ai pas envie de voyager avec une folle. Il me rappelle une histoire, ce poulet. Le jour où papa avait ramené un poulet à la maison, il lui avait coupé la tête, mais en fait, la bestiole était restée vivante. Il s'était même pris d'affection pour mon père qui avait fini par l'adopter. Pas rancunier le poulet, hein. La bestiole le suivait partout, même à l'usine comme un kleps. C'était devenu la vedette du quartier. Comment qu'il s'appelait déjà ce poulet ? Oh, bref, un jour, le chat l'a bouffé. Papa était inconsolable. Alors, il s'est enfermé dans la cuisine et là, pendant 2 jours, il a coupé des têtes de poulet à la chaîne. Il espérait tellement que le miracle allait se renouveler. J'ai hâte de voir la mer. J'ai emmené souvent ma fille quand elle était petite. J'ai envie de manger du poisson. Faut vraiment que je demande à ma grand-mère sa recette de la dorade à la persil. La bécasse, elle m'a retrouvée. Oh, mais quelle glu, celle-là! Ma tête. Non, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait de ma tête? Ça va, maman? Oh, voilà qu'elle m'appelle de nouveau maman, cette folle. La 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 la
ma tête. Ça va, maman? Tu es bien? Ça va, ma chérie. Je suis bien.